Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série sur Chaos League Mort Subite. Ça fait quelques temps que j'ai envie de présenter ce jeu et comme Blood Bowl 3 se fait attendre, et ben c'est l'occasion vu que je l'avais mis de côté lors de l'annonce originelle il y a quelques mois. En plus vous vouliez une série surprise, donc bah voilà, ça sera l'occasion, une petite série rétro, car oui, Chaos League est ce qu'on pourrait appeler l'ancêtre vidéoludique de Blood Bowl. J'insiste sur vidéoludique, hein, il est arrivé dans les années 2000. Donc à l'époque Blood Bowl existait déjà sur plateau, mais n'avait jamais été adapté sur PC. Et un petit studio de développement à l'époque, qui s'appelait Cyanide, un petit studio français, voulait justement l'adapter en jeu. Malheureusement à l'époque Games Workshop était encore plus protecteur de ses licences qu'ils ne le sont aujourd'hui, et donc ils ont refusé. Ils ne devaient pas se sentir de se lancer avec un studio de français qui n'avait pas fait grand chose à l'époque. En tout cas, rien de hyper fondamental. Bon, d'un autre côté, c'était difficile de percer hein, dans le jeu vidéo. Mais ils ne se sont pas démontés, Cyanide, et ils ont décidé de travailler du coup sur leur propre jeu de football américain fantastique, dans leur propre univers, avec leurs propres règles. Et donc, ils ont sorti Chaos League. Alors, il est toujours resté un petit peu confidentiel, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Steam, Epic et compagnie, donc toutes les plateformes de distribution en ligne n'existaient pas. Votre jeu, vous le sortiez sur CD-ROM, il fallait des grosses campagnes de communication et de publicité si vous vouliez vraiment qu'ils se vendent en folie. En plus, bon, le marché n'était pas ce qu'il était non plus à l'époque. Mais même s'il est resté confidentiel en France et un petit peu à l'étranger, ils ont quand même suffisamment fonctionné pour faire une extension. Alors, il me semble que l'extension a été un petit peu plus distribuée à l'extérieur. Et surtout, il a réussi à attirer l'œil de Games Workshop, puisque c'est Games Workshop eux-mêmes qui sont venus chercher Cyanide ensuite pour adapter Blood Bowl 1, puis Blood Bowl 2 et aujourd'hui Blood Bowl 3. Donc ça a quand même plutôt bien marché pour eux. Personnellement, je trouve que Chaos League est une vraie perle. Je trouve presque dommage qu'ils aient arrêté la licence, alors soit par manque de temps, soit parce que ça faisait partie du contrat pour adapter Blood Bowl, je ne sais pas. Parce qu'il y a vraiment dedans plein de bonnes idées, plein d'humour, des trucs que j'aurais vraiment voulu retrouver dans Blood Bowl. Donc, Blood Bowl était un petit peu trop formaté par ses règles de jeu de plateau, il y a plein de trucs fun qu'il y a dans Chaos League qui auraient été vraiment sympa de retrouver. Du coup je vous propose un petit retour en arrière pour découvrir, redécouvrir avec moi Chaos League. On va jouer sur l'extension directement, Mort Subite. Donc qu'est-ce que c'est en bref résumé? C'est un jeu de football américain fantastique qui se joue en temps réel ou en pause active. Il y a également un mode tour par tour, mais c'est l'un des principaux intérêts par rapport à Blood Bowl, c'est qu'on peut jouer en temps réel ou en pause active. Alors il se joue uniquement en solo. À une époque il y avait du multijoueur avec un service en ligne qui n'existe plus, donc bon bah si jamais vous l'avez, il y a peut-être moyen de jouer toujours en réseau local, un truc du genre, mais ça me paraît compliqué sinon. Il n'est pas compatible manette, il est en français, et français de qualité, intégralement en français, doublé en français, toutes les voix sont en français, c'est vraiment cool. Il est introuvable sur le marché à ma connaissance. On peut le trouver éventuellement en piratable, mais bon, ils avaient à l'époque un système de DRM dessus un peu puant, donc même en piratage je vous déconseille. J'ai failli flinguer mon PC quand je l'ai installé, j'ai dû faire du mode sans échec, bidouiller un peu. Mais bref, on va pas s'apesantir dessus, je vous envoie le petit trailer parce que même 20 ans après il me fait toujours autant rire, et on se retrouve juste après en jeu. Et voilà pour le petit générique. Alors il est un petit peu long, enfin il fait 2 minutes, je vous l'ai laissé parce qu'il est quand même vraiment sympathique. Alors normalement le jeu devrait apparaître... Toc. Bientôt tout de suite. Voilà. Petit problème de réglage, oui parce que comme vous avez dû le remarquer, hein, le jeu peut sortir au maximum du 1600 par 900, le Full HD à l'époque ça n'existait pas. Du coup j'ai dû bidouiller un peu avec les paramètres, ça consomme un peu de ressources, hein, ça fait un format un peu bizarre, mais c'est pas grave, c'est du rétro, on est là pour ça. Et on se retrouve du coup sur la petite fenêtre de base, donc un jeu qui était déjà bien complet à l'époque, hein, il y avait un tutoriel avec plein de choses, de quoi apprendre toutes les races, etc. La possibilité de faire des matchs rapides, et la possibilité de faire du scénario, des championnats, et d'écraser des petits cafards qui se baladaient sur l'écran, parce que pourquoi pas, ça donne une idée un peu de l'humour du jeu. Nous on va se lancer direct dans un petit championnat pour voir les possibilités. Donc on va partir sur un championnat classique. Donc le championnat se fait en 10 journées, avec éventuellement une finale, un match de barrage, et on a la possibilité de participer à une coupe, assez classique. On va jouer en pro, en apprenti, on va jouer en apprenti parce que comme je vais parler en même temps, ça me permettra de discuter, et puis en plus vu que je suis obligé de jouer en tout petit sur mon écran, ça sera plus pratique si je clique à côté. On va se mettre en mode pause active, donc comme vous le voyez, hein, il y a du temps réel, du tour par tour, du pause active. Le pause active permettra de regarder un peu ce qu'on fait. Et on va devoir choisir une race, un logo, un nom d'équipe, un terrain, un clan de supporters, acheter les joueurs, les pom-pom girls, les bonnes animations, les motivations. Et on doit gagner au moins 3 matchs sous peine de rembourser une partie de l'argent perçu. Donc vous voyez que déjà on est au-delà de Blood Bowl en termes de gestion, on a déjà plus de trucs. Au niveau des races, il y a un certain nombre de races, donc on retrouve du classique, hein, humain, elfe noir, orc, elfe sylvain, les nains, les gobelins, etc. Et quelques autres trucs un petit peu plus spécifiques à Chaos League, notamment les sigus, les damnés, les mercenaires, les gnomes également, les prétoriens. Nous on va se prendre des morts vivants pour cette petite découverte, on va tout de suite se prendre une petite tronche, pouf. Alors on peut choisir un clan de supporters, alors les clans de supporters ont un vrai intérêt dans Chaos League contrairement à Blood Bowl, c'est-à-dire qu'ils vont vous donner des sorts et des choses qu'ils pourront faire pendant le match, ils pourront agir pendant le match pour jeter des boules de feu sur vos adversaires, pour mettre des mines sur le terrain, etc. Et ils ont chacun un type de combo, donc vous voyez que ceux-là, si on fait un KO, un touchdown, un blessé mort, plus un plaquage, et ben on monte leur jauge de supporters plus rapidement. Ceux-là, il faut enchaîner 2 KO plus 2 plaquages, et ceux-là, il faut réussir à faire des passes, des touchdowns, des blessés morts et des plaquages. Donc on va prendre les antidiluviens et le boost en combat. Ils ont la possibilité d'augmenter les caractéristiques sauvagerie et protection des joueurs de l'équipe pendant quelques secondes. Et ils sont disponibles pour les morts vivants, ce qui tombe bien. Alors, comment ça se passe? On va aller voir tout de suite un petit peu le tableau des races. Donc, on est sur un jeu vraiment de football américain très orienté. Je vais pas dire réalité parce que c'est vrai, tout à fait vrai, hein, mais il y a un vrai intérêt à chaque type de joueur. Donc, par exemple, là, si on prend les morts vivants, on a des guerriers squelettes, des revenants, des ghouls et des momies. Donc on retrouve un peu le concept, hein, d'avoir un Bigfoot, etc., des 3/4, ce genre de choses. Et ici, vous voyez que chaque type de joueur a des bonus et des malus. Par exemple, un lineman peut plus facilement blesser un quarterback. Par contre, il a des malus en protection face à un Bigfoot. Un linebreaker, donc le revenant par exemple, qui est un linebacker, pardon, le revenant est un running back, excusez-moi, il a un bonus d'armure face au linebacker, mais par contre il a un malus en fin de corps s'il affronte un receveur, etc., etc. Donc on a toutes les races comme ça, ont différents types de joueurs, lineman, receveur, gob rider, il y a certains qui ont des trucs particuliers, par exemple les gnomes ont des machines, donc il y a une espèce de Bigfoot mécanique mais qu'il faut lui donner du combustible et réparer pendant le match. Les sigus ont différents types de morsures, qui vont infliger des malus à l'ennemi dans le temps, mais par contre, dès qu'ils ont la balle, ils courent moins vite. Donc, toutes les races comme ça ont des avantages, des inconvénients, c'est assez sympathique. Et ils vont pouvoir, chaque personnage va pouvoir évoluer et apprendre des sorts, car comme vous avez vu dans le petit générique, tous vos joueurs vont pouvoir lancer des sorts sur le champ de bataille. Donc de la boule de feu, du sanctuaire, des boosts divers et variés, des ruches sur les ennemis, des bâtons de TNT, tout ça c'est ce que vous allez pouvoir utiliser en match directement, donc très très loin au-delà du sorcier de Blood Bowl. Hein. Et ça va se jouer, vous aurez une jauge, alors c'est pas du mana, ça s'appelle du souffle, qui vous permettra de faire tout un tas d'actions spécifiques et notamment lancer des sorts pour améliorer vos caractéristiques, celles de vos alliés, etc. Donc chaque joueur a 4 caractéristiques de base, la vitesse, la sauvagerie, la dextérité et la protection. Donc c'est relativement parlant, la vitesse c'est la vitesse de déplacement, la sauvagerie c'est la manière dont il va se battre, la dextérité c'est comment il joue la balle et la protection c'est la manière dont il peut gérer les combats. Enfin là il se fait moins tabasser s'il a une plus haute protection, vous en doutez bien. Chaque joueur également, chaque type de joueur gagne plus d'XP s'il fait certaines actions. Par exemple, le guerrier squelette, qui est un quarterback, un lineman, pardon, il a plus de bonus s'il fait des plaquages ou des interceptions. Il va gagner de l'XP bonus s'il réussit ces deux actions-là. Par contre, la goule, qui est un receveur, gagne des bonus s'il arrive à faire des réceptions ou des touchdowns. La momie, qui est un bigfoot, enfin qui est même pas d'ailleurs un bigfoot, c'est un linebacker, la momie. Elle gagne des bonus si elle fait des plaquages ou des KO, mais pas des morts. Donc tout un tas de petits trucs comme ça intéressants à savoir qui font que vous avez vraiment, toutes les équipes sont différentes. Les actions, les joueurs vont avoir des vrais rôles sur le terrain, et en plus ils ont également tout un tas de choses qu'ils peuvent faire avec leur souffle. Donc là vous voyez les actions de base, hein, sans parler de lancer des sorts. Donc vous voyez que le revenant, s'il harangue la foule, ça lui coûte que 90 points de souffle, alors que si c'est un guerrier squelette qui le fait, ça coûte 100 points. Donc haranguer la foule va pouvoir vous permettre de monter votre jauge de supporters par exemple. De la même manière, on peut lancer des nuages de dissimulation sur le terrain, vous allez voir ça c'est le guerrier squelette qui va devoir le faire, ça ne coûte que 53 pour lancer de la dissimulation, alors qu'un revenant ça lui coûte 90, sachant qu'on a 100 de souffle de base. Donc tout ça c'est des petits trucs qui font que déjà on a vraiment quelque chose d'assez sympathique en point de vue gestion d'équipe. Donc de base on a besoin de 9 joueurs pour entrer sur le terrain. Donc on va prendre nous toc, 2 ghouls, allez 3 ghouls, 2 revenants. On va remplir avec du guerrier squelette, on va laisser de côté je pense la momie pour l'instant. Je suis pas sûr qu'on puisse se le permettre, on peut peut-être se permettre une momie. La momie c'est 185, hein, ouais, c'est trop cher, on est déjà plus qu'à 177 en haut là. Vous voyez qu'on a pile poil le bon nombre de joueurs. On peut prendre 3 types de bonus, on a la motivation qui permet de relever un joueur qui est au sol immédiatement. On peut prendre des pom-pom girls qui vont augmenter la vitesse de protection de la barre du public. Et des baumes de réanimation qui permettent de soigner un joueur KO, blessé ou mort. On va en prendre un pour pouvoir éventuellement soigner une de nos ghouls ou revenants si elle se fait buter. On va prendre 2 pom-pom. Est-ce qu'on peut se permettre un petit remplaçant? On peut se permettre un petit remplaçant. Il nous reste 17 000 PO. Donc le clan, on l'a choisi. On peut choisir nos terrains. Donc il y a différents terrains qui ont différents effets. Donc il y a 2 types d'effets. Déjà les types de météo possibles et la température. Donc vous voyez qu'ici, sur ce terrain-là, le bassin de décantation... s'il y a du vent, on a des bonus de dextérité leur dépasse, si c'est ensoleillé, il se passe des choses, etc. Les dissimulations ont une durée de vie augmentée de 33% typiquement. Par contre, s'il pleut, vu qu'il y a beaucoup de flotte, les rebonds de base sont diminués de 50%. Alors que si on prend le village des sauvages, vous voyez qu'ici il peut pas pleuvoir. Par contre, il peut être ensoleillé et du coup les rebonds de balles sont augmentés de 30%. Donc on a déjà des petits trucs différents selon les types de terrain, et en plus il y a des effets de terrain. Par exemple ici, les joueurs projetés au sol sont moins longtemps étalés puisqu'il y a un fond d'eau, ça fait que du coup ça fait un fond d'eau qui fait que les chutes sont amorties tout simplement. Donc nous on va prendre le bassin de décantation, il est très bien pour notre type de jeu, j'aime bien le bassin de décantation. Donc pour l'instant on n'a rien d'autre de particulier, hein. On va pouvoir renommer nos joueurs rapidement, donc on va avoir Papillote, hein, la goule, on va avoir Jeannette la goule, avec un petit J majuscule, on va avoir Amine Lagoul, Tuck, Dacus le Revenant, hop là, Damned c'est également un revenant. Là on va avoir un petit peu un guerrier squelette, on a Mad le squelette, on verra s'il survit plus longtemps que dans Blood Bowl. Ensuite on a Chobiti, bien sûr. On va avoir Aztekil, Magix le squelette et en dernier on avait dit que on avait Jilid, Tuck, et notre équipe s'appellera les Sans Fin. Voilà. Donc pour l'instant on est tout bidon, hein, notre division Panthéon et tout c'est vide, hein, mais on va pouvoir enregistrer notre équipe, c'est parti. On a maintenant notre équipe, on va pouvoir faire notre premier match. Alors d'abord il faut qu'on oui, c'est vrai qu'il faut qu'on valide un défi, donc on va avoir notre petit calendrier, hein, donc on va devoir affronter des gens. On peut voir, ce qui est cool c'est qu'à tout moment on peut voir ce qui se passe dans les autres divisions, si on veut voir un petit peu si les équipes souffrent, etc. On est capable de voir le Panthéon, donc qui pour l'instant est vide, hein, vu qu'il n'y a eu aucun match. On est capable de voir les news. Alors les news, ça va être des petits trucs qui se passent dans le monde, qui vont faire avancer les choses dans l'histoire. Donc là on a par exemple le matériel de haute technologie menace l'avenir de la Chaos League dans une lettre ouverte à l'ensemble des équipes. Langbeck de 54 ans affirme que dans un avenir proche, moins de 321 ans, la nouvelle génération de joueurs sera incapable de fracasser un adversaire pendant les matchs. Le créateur de ce sport admirable aux valeurs universelles risque de se retourner dans son tombeau, car les matchs pourraient devenir d'un ennui incommensurable. Langbeck avance comme argument la rapide évolution du matériel de protection toujours plus solide et plus léger, qui favorise les faibles au détriment des joueurs violents. Un vrai problème. Après la lecture de sa lettre, il est clair qu'il faut faire quelque chose, personne n'a trouvé de solution, certains parlent d'éradiquer toute forme de protection, d'autres souhaitent que l'on autorise les armes de guerre, pour le moment aucune décision n'a été prise, on note seulement que de nombreux clans de supporters ont constaté le suicide de plusieurs fabricants de protection par autodécoupage en menus morceaux éparpillés aux quatre coins des villages. Une affaire à suivre donc, n'est-ce pas, le suicide par autodécoupage en menus morceaux, un grand classique, hein. Alors du coup, nous on est les Sans Fin, on va devoir défier une équipe. Alors, qui on défie? Pour l'instant on a combien de puissance? On a 800 de puissance nous, donc c'est la TV, hein, basiquement. Normalement toutes les autres équipes doivent être à 900 parce qu'elles ont un peu mieux équilibré leur jeu, j'imagine. On peut défier des mercenaires, des barbares, des orques, des elfes sylvains, des humains. On pourrait défier les elfes sylvains, c'est toujours cool de buter de l'elfe sylvain. Alors qu'est-ce qu'ils font de beau dans leur vie les elfes sylvains? Ils ont un lineman, deux quarterbacks, deux receveurs, un running back, un receveur qui flotte en l'air, c'est classe. Un lineman de nouveau, encore un receveur, deux lineman, ok l'équipe est rangée n'importe comment mais voilà on peut la trier. 4 lineman, 3 receveurs, 2 quarterbacks, un running back. Donc on voit qu'ils ont déjà différentes compétences, hein, qui permettent de les booster. No stress, le joueur prend des cours de yoga pour ne plus paniquer si un adversaire à côté de lui lors d'un lancer ou d'une réception de balle. Ok, donc il perd pas de points de dextérité si un adversaire est proche de lui, pour faire des passes j'imagine. Les receveurs ont gants de velours, la science de la réception de balle n'est pas accessible à tout le monde, son unité y a accès, il est l'élu, sera meilleur pour réceptionner la balle lancée par un coéquipier. 20 plus 20 de dextérité pour une réception, c'est propre. Je pense qu'on va défier les Spirit Guardian. Oui, on veut défier les Spirit Guardian. Et du coup, ça nous donne notre premier match, j'imagine. On va affronter les Spirit Guardian. On va jeter un œil rapidement à ce qu'ont nos propres joueurs. Donc les ghouls de base commencent avec feinte de corps. Ils suivent une spécialisation en feinte de corps et deviennent plus efficaces dans ce domaine. Donc ça augmente la dextérité de 10 points pour effectuer une feinte de corps et en bonus ils ont plus 2 de dextérité. S'il explique qu'ils ont, ils commencent avec 32. Donc 10 points de dextérité pour les feintes de corps. Donc les feintes de corps c'est quand on est engagé avec un adversaire et qu'on doit essayer de s'extraire de la mêlée sans se faire plaquer. En gros c'est un genre d'esquive, hein. Vous verrez que ça se joue en temps réel donc c'est un petit peu plus bordélique que Blood Bowl. Les revenants eux ont endurance. Le joueur fera un travail d'endurance soutenu par des produits biologiques à l'insu de son plein gré. Son souffle se régénère plus rapidement dans toutes les situations de marche. Il régénère plus 10% plus vite son souffle et en plus il a un bonus de caractéristique de 1 en protection, ce qui ne mange pas de pain. Les guerriers squelettes ont également endurance, donc ils régénèrent plus leur souffle et ils ont même pas mal. En tant que partenaire de laboratoire pharmaceutique, votre joueur a été choisi pour tester un nouveau produit. Grâce à ce médicament miracle, les derniers points de vie de votre joueur seront 2 fois plus résistants au coup. En dessous de 15 points de santé, votre joueur sera 2 fois plus résistant. Ah bah ça c'est cool. Mad sera du coup un petit peu plus résistant. Et bah du coup c'est parti, on va se lancer dans notre premier match. Alors, on a les coups vicieux de début de match. On a une caisse noire de 30 000 PO. Donc c'est disponible pour le match et c'est à dépenser hein, puisque ça disparaît à la fin du match. Donc il y a différentes choses qu'on peut faire. On peut se prendre des corruptions, toujours utile hein, si on veut éviter de se faire choper par l'arbitre. Il y a une seule règle, une seule chose qui est réellement interdite dans Chaos League, c'est de piétiner un adversaire à terre. Si vous faites ça et que l'arbitre vous voit, il exclut votre joueur tout simplement, sauf si vous avez une corruption. Bien sûr, vous pouvez tabasser l'arbitre avant de piétiner le joueur, comme ça s'il est au sol assommé, il ne peut pas vous voir. Mais attention, il peut aussi se défendre. Si jamais vous le tabassez et que votre joueur est une cave, et l'arbitre peut tout à fait gagner le combat. Si jamais l'arbitre fait exclut trop de joueurs ou applique trop les règles, c'est assez marrant, les supporters peuvent demander sa mort et du coup si vous le tabassez à ce moment-là, vous avez une prime à la fin du match. Alors, on peut faire venir des hooligans. Donc s'ils viennent, ils diminueront fortement l'intérêt du public pour l'équipe locale ou l'impact positif des pop-up girls de l'équipe adverse. Est-ce qu'ils ont des pom-pom girls? Ils ont pas de pom-pom girls, ils ont pris 2 baumes. Ouais, c'est les Bloodrunners et leurs soins. Ça vaut pas la peine de prendre des hooligans. Donc on peut choisir de pourchasser un joueur. Donc on met une prime sur un joueur, il aura un malus pour toute la lunette du match dans ses combats. Et en plus, si on arrive à le sortir du terrain, on a une prime de match supplémentaire. Une fois de plus, le fair play est récompensé. Et tout à fait. Donc on peut choisir n'importe quel joueur. Et dire voilà, celui-là, on veut le tuer, donc il va être beaucoup moins bon au combat, et en plus, il aura des malus, et en plus si on arrive à le sortir, pardon, on aura une prime de match à la fin. Alors à tout moment, on peut aller voir les détails des races, donc par exemple, on va affronter des elfes sylvains, nous on a des morts vivants, donc on a des guerriers squelettes, des revenants, des ghouls, donc on a des receveurs, des running back et des linemen. Les linemen ils blessent plus facilement les quarterbacks. Donc on pourrait mettre une prime sur un quarterback si éventuellement. Ça pourrait être utile. On pourrait dire voilà, lui on veut le buter parce que pourquoi pas. Alors on peut également doper nos joueurs. Ça va aider nos joueurs, hein, la vitesse, la sauvagerie, la dextérité augmentent. Par contre si on se fait contrôler, il est exclu. Donc là c'est assez marrant hein, également, c'est à dire qu'on peut complètement dire voilà je vais doper Papillote. Et on peut également dire, et moi je pense qu'il va doper Loraniel par exemple. Et donc si jamais effectivement Loraniel était effectivement dopé et a été contrôlé, bah ce joueur est exclu pour le match. Et là par contre Papillote s'il n'est pas contrôlé il peut totalement garder son dopage quoi. Alors pour ce premier match on va laisser tomber le dopage je pense. Alors est-ce qu'on va mettre une prime? On va pas mettre de prime, on n'a pas vraiment de bonus pour taper sur des gens. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va doper des gens. On va doper Jeannette, parce que pourquoi pas. Et on va doper Mad, parce que Mad il mérite bien qu'on le dope. Et donc vous voyez comme on est des morts vivants, on a droit à des squelettes. Donc les squelettes que vous avez pu voir dans la liste là, des joueurs. C'est vraiment, voilà, c'est du squelette, ils sont tout pourris, ils peuvent pas se battre, ils peuvent pas jouer la balle, ils ont une vitesse de merde, ils ont aucune capacité particulière. C'est juste considéré comme des linemen, donc ils ont quand même le bonus du lineman. Mais ils permettent de faire en sorte que quoi qu'il arrive, en tant que mort-vivant, on aura toujours une équipe pleine parce qu'on va commencer, on a toujours un certain nombre de squelettes qui viennent avec nous quoi. Donc on n'est pas obligé de les faire jouer, mais si jamais nos joueurs sont sortis, au moins on est sûr d'avoir ce qu'il faut. Allez, on va lancer la partie. Ah là là, Mad a été contrôlé, ça commence bien, bien joué Mad, c'est beau. Bah du coup tant pis, Mad ne jouera pas ce match. On va le remplacer par un squelette ou par un remplaçant, tant pis, hein, c'est pas grave. Bienvenue pour cette nouvelle rencontre. C'est parti. Oula, ça lag un petit peu. On nous a promis du spectacle. Bien, le terrain a été nettoyé depuis le dernier match, heureusement, parce qu'il commençait à y avoir un peu trop de cadavres, ça devenait injouable. Alors vous pouvez voir que les commentaires sont entièrement en français et qui sont plutôt sympathiques. Oula, on est en vitesse lente là. Pourquoi ils sont lents comme ça? Ce n'est pas normal. Hein, le numéro 10. Donc là on est en pause active. Bon, ça devrait pas être aussi lent. Le public est sollicité. Je suis pressé de voir ce que ça va donner. Je dois avoir un truc qui ralentit quelque part, je ne sais pas quoi. Alors, toi mon gars, viens ici. Là, ce qu'on va faire, c'est que notre guerrier squelette, vu qu'il a des petits bonus, il va lancer une petite dissimulation. Ça lui coûte que 53 points de souffle. C'est le premier sort. Ah, c'est vrai que c'est bien utile ce brouillard. C'est le premier sort qu'on va pouvoir lancer. Et du coup on va se positionner derrière pour un jeu de course. C'est parti. Donc vous voyez au milieu, le coup d'envoi, et ben c'est tout simplement un cochon qui est là au milieu totalement gratuitement et qu'il va falloir tabasser pour lui piquer la balle. Allez, on est positionné, on est planqué dans le brouillard. On va lancer une petite pause. Donc on a tous nos remplaçants sur le côté, on a notre petite pom-pom girl ici. Qui est une pom-pom girl méchante, donc qui ressemble vaguement à un orc, on dirait. Une orquesse, je ne sais pas. On va avancer un petit peu. Toc. Est-ce qu'on peut donner des ordres? Oui, on peut donner des ordres. On va envoyer la goule, choper ça. Toc. Allez, c'est parti les gars. On va garder en défense deux goules planquées dans le brouillard. Le joueur reprend le ballon. Ouais, avant de se prendre un coup. On prend le ballon, c'est parti. Donc là, ils ont jeté leur petit brouillard également. Dissimulation. Ah, ça va un peu stresser l'adversaire, c'est bon pour le jeu. Ah, ça y est, c'est parti. Donc là, lui, le running back, il a lancé un Master Power, ce qui fait que du coup, il est plus costaud en combat. On va faire de même. On va essayer de choper celui-là. En défense, du coup, on n'a plus qu'une goule. On va reculer un peu avec celle-là. Merde. On est tellement lent qu'il a réussi à s'infiltrer, lui. C'est la peur qui la tétanise. Ah, il a même pas réussi à plaquer. Ouh, il a réussi à esquiver. Donc là vous voyez, normalement quand on a la balle on a un malus pour combattre, puisque on peut être plaqué tout simplement directement. Et là le receveur il a galéré avec son 20 de sauvagerie, il a même pas réussi à faire le taf. Ici on va essayer d'engager. Toi, est-ce que tu pourrais faire une passe à ce monsieur? Parfait. Belle réception. Ah ouais, il a les mains sûres. Vous voyez que là, le public veut qu'on tabasse l'arbitre. Parce que pourquoi pas. Hop, ici on va essayer de choper. Alors là, on est malheureusement engagé au combat. Et on voit qu'il y a encore un défenseur ici, donc on va reculer un petit peu avec lui. Ah, ça lag. Par contre, je comprends pas pourquoi ça lag autant, c'est un petit peu triste. Ah, le mort-vivant est lent, hein, sans surprise, face aux elfes. Encore un sur le dos, c'est une passion que de bouffer la poussière. On va donc l'engager, et ouais, c'est parti. On court vers la ligne. Et c'est le touchdown. Notre magnifique touchdown, revenant. Touchdown, touchdown. Arrêtez. Le thé vous fait postillonner violemment. C'est normal, ce sont mes palatales. Changez votre dentier, c'est pas possible. Touchdown, touchdown. Hop là. Touchdown. Essayez de dire essai. Essai. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode parce que ça fait 30 minutes et en plus visiblement ça lag un peu, donc je vais essayer de voir un petit peu si je peux améliorer ça. Ça laguait pas pendant mes tests, c'est un peu dommage, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Mais bon, le jeu est assez vieux donc c'est un peu galère à faire tourner. En tout cas, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. On va essayer d'en faire peut-être quelques-uns de plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous dirait d'en voir plus, s'il y a des choses que vous aimeriez que je vous montre. Et dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.